Eh bien, Jean-Michel Sève, donc l'auteur de cet exploit, on va le retrouver immédiatement au micro de Franck Peterken. Oui, tout à fait, Nicolas. Jean-Michel Sève est à nos côtés. Jean-Michel, voilà une rencontre qui va démarrer de manière incroyable. Un exploit terrible. Oui, bah, c'est vrai que je suis vraiment très content. C'est clair que pour moi, c'est la première fois de battre Wang Liqing. Encore en plus, ici, dans un match de prestige, revanche du championnat du monde à domicile, bah, c'est clair que c'est un plus pour moi. Mais au-delà de ça, il y a vraiment la manière. Je pense que j'ai vraiment fait un gros match. Parfois, j'ai même voulu jouer un petit peu trop fort. Mais bon, si je ralentis un peu le jeu, il va tellement vite derrière qu'il ne fait pas d'erreur avec son coup droit. Donc, je suis obligé de jouer à un rythme très, très élevé. Mais bon, j'étais déçu après le deuxième set parce que je pensais vraiment que j'aurais pu mener 2-0 après avoir eu balle de set et peut-être pouvoir remporter plus tôt. Mais bon, finalement, le dernier set a été d'une très grande qualité avec quelques points importants gagnés loin de la table. Évidemment, je suis très content. Alors on l'a souligné dans le commentaire, un numéro 1 mondial qui a essayé de vous ennuyer sur votre revers hein, notamment. Ouais, c'est clair que les joueurs chinois me connaissent bien, donc quand je sers, la première chose qu'ils font, bah, ils essayent de jouer directement en long dans mon coup droit pour que ma première balle soit un petit peu plus lente et puis derrière ils m'enferment sur leur vert. Donc c'est ça que Wang Liqing m'a fortement embêté dans le troisième set, je crois que j'ai pratiquement presque pas gagné de points sur mon service, mais heureusement moi ça allait sur le sien. Ben, c'est le plus fort chinois, mais paradoxalement, c'est lui qui a le service le moins embêtant. Donc, heureusement, parce que quand je sers, qu'il m'écarte plein coup droit, ben là, il joue soit très bien en bloc du revers, soit en contre-topspin. Donc, enfin, je suis content de mon match. Voilà, et on attend qu'il sait un autre exploit avec maintenant le simple pour Philippe Sève.
C'est difficile à expliquer, tant c'est magnifique, tant c'était varié, tant c'était complet, tant il était véloce sur les jambes, qu'il a joué aussi bien en revers qu'en coup droit, il a varié ses retours de service, enfin, il a joué vraiment au top niveau mondial, il n'y a pas d'autre mot, la preuve en est, mettre 3-0 à Kong Linghui, numéro 6 mondial, champion olympique, champion du monde, ça se passe de commentaires, Nicolas. Et on va retrouver Philippe Sève avec Franck Peterken. Oui, tout à fait, Philippe, et bien voilà, la Belgique mène 2-0, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous auriez cru à ce scénario? Je dois vous avouer franchement qu'on prie pour que ce ne soit pas 3-0, plié, emballé, merci, au revoir, qu'on ne gagne pas de 7. Numéro 1, numéro 2, numéro 6 mondial. C'est sûr que pour nous c'est un match très important parce que c'est un match de prestige, c'est probablement le plus beau qu'il y ait jamais eu dans notre pays. On a une semaine des championnats d'Europe, on est préparé, on est motivé, on est entraîné. Les Chinois sont depuis en stage, sont depuis un mois en stage. Ils sont arrivés jeudi soir avec le décalage horaire, ils repartent demain matin, ils sont vraiment venus pour ce match. Donc, il est évident qu'ils n'ont pas la même préparation que nous, mais malgré tout, on a vu dans leur composition d'équipe, ils ont voulu aligner Van Lykin d'entrée contre Jean-Mi pour essayer de nous étouffer parce que Jean-Mi ne l'avait jamais battu. Moi, j'avais déjà battu Kong Linghui une fois en finale de la Champions League avec Düsseldorf. Bon, que dire, ici j'ai fait un match plein, 100%, pas de déchets ou vraiment très peu. Tout ce que j'ai essayé, je l'ai réussi. C'est vrai que Kong Linghui était passif, mais c'est souvent son défaut d'ailleurs. Hein. Alors on l'a souligné dans le commentaire, une différence qui s'est faite notamment sur le coup droit. Oui, ben je bougeais bien, j'ai pas fait de faute du tout en coup droit. D'habitude, Kong, quand on joue lentement dans son coup droit, il fait pas de faute du tout. Ici, il a eu l'air d'être déstabilisé au niveau de son coup droit. Il avait l'air d'avoir mal collé sa raquette ou je sais pas quoi. Et donc, j'ai profité pour essayer d'aller justement de ce côté-là. Parce que d'habitude, c'est un mur en revers. Et en coup droit, dès qu'on joue lentement, il reprend l'initiative. C'est d'ailleurs ce qui fait sa grande force. Donc ici, les points qu'il a perdus, il les a perdus du côté de son coup droit. Allez, un troisième simple, un troisième exploit. On respecte. Moi, personnellement, je dois vous avouer, franchement, que Sir Martin Hagen, ça m'arrange assez bien. Sure.
Ciao!
balle de match sur le service de Martin Bratanov. La Belgique va-t-elle s'imposer 3-0 face à la Chine ? Oui. Voilà qui est fait ! C'est incroyable ce que nous venons de vivre ici à Lonsain aujourd'hui. La victoire de la Belgique 3-0 face à la Chine. On parlait d'une revanche de la finale des championnats du monde à Osaka l'an dernier. Eh bien, la revanche est prise. Tout à fait. Cette victoire splendide, Thierry. Magnifique, vraiment, rien à dire. Du très beau tennis de table, les joueurs belges très confiants. Du beau spectacle, vraiment, on en redemande du tennis de table à ce niveau-là. Et on va rejoindre Franck Peterken pour encore quelques impressions après cette victoire de la Belgique sur la Chine. Oui, en compagnie de Martin Bratanov. Martin Bratanov, ben, exploit extraordinaire. Et puis dans votre sein, vous nous avez fait peur vraiment jusqu'au bout. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis très content d'abord que ça se déroule de cette façon-là parce que dans le premier set, je menais de 4 ou 5 points. Là, il revient. Je pense que si jamais ça se retourne mal, que je perds le premier set, ça peut être complètement un différent match qu'on vient de faire. De l'autre côté, je suis très heureux d'avoir les gens qui sont chaleureux comme ça. Et ici, je pense qu'on a vraiment fait un très bon match, ce qui est très important pour nous, juste avant les championnats d'Europe à Zagreb, pour la confiance. Alors, vous êtes le moins connu de nos joueurs en équipe nationale. Ça fait 2 ans maintenant que vous êtes dans cette équipe. On a pu voir vos qualités lors de ce simple, notamment le service. Beaucoup de points gagnés sur ce service. C'est vrai que tout le monde en parle sur mon service. Je travaille beaucoup sur le service, c'est vrai. Et quand je vois que les meilleurs joueurs au monde, ils arrivent à avoir des difficultés, ça me met encore plus de confiance. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de l'exploit aujourd'hui? Battre la grande Chine, numéro 1, numéro 2 mondial, médaille olympique, c'est incroyable ça. Oui, ce qui est incroyable, surtout que c'était un match arraché, ils étaient très motivés tous les trois. Et ça fait vraiment une belle revanche, on est très content qu'on l'emporte 3-0. Et avant de conclure, Thierry, c'était une rencontre amicale, on le répète encore une fois. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que la Belgique a encore inscrit aujourd'hui une des belles pages de son histoire? Absolument, absolument. Même si c'est un match amical, je crois que c'est un résultat qui restera dans les annales, je pense, du tennis de table. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé dans cette salle à Lonsain.